بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة. Alors aujourd'hui on va fabriquer le carnet de voyage de classe. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans un carnet de voyage? On va citer quelques wilayas en Algérie ou bien hors de l'Algérie. Alors on va dire qu'est-ce qu'on a vu dans ce voyage. Voilà. On a ici la wilaya de Ghardaya. On a la wilaya de Tlemcen. Betna, donc Timga se trouve dans la wilaya de Betna, et on a Constantine, Qasantina. Alors dans la wilaya de Constantine, alors nous avons passé les vacances du printemps à Ghardaya. La place du marché est magnifique et nous avons acheté de jolis tapis et des dattes fraîches. Voilà. Donc les tapis et les fraîches, on les trouve à la wilaya de Ghardaya au sud de l'Algérie, Fijano Beljazair. Alors l'été dernier, nous sommes allés visiter Tlemcen. La ville est admirable. Il a fait très chaud. Quelle fraîcheur dans les grottes. Alors les grottes Yamara là, se trouvent dans la wilaya de Tlemcen. Donc dedans, au fil derrière les grottes, derrière, alors il fait frais. Donc c'est la fraîcheur. Voilà. Alors ici c'est alors à Timgad. Alors pendant les vacances d'hiver, Fichiter, nous avons visité Timgad et nous avons vu de grandes colonnes. Alors les colonnes had l'atar ta Timgad. Alors c'est extraordinaire. Innahu ra'a, ou juddu ra'a. Voilà. Alors nous avons passé la matinée dans la mosquée de l'Amir Abdel Qadir à Constantine, un endroit magnifique. Donc c'est la mosquée se trouve à Constantine, la mosquée l'Amir Abdel Qadir. Alors aujourd'hui j'ai préparé un modèle pour écrire une production d'un voyage. Alors mon voyage. Alors ça se peut, on écrit le titre Mon voyage, ou bien on écrit par exemple le nom de la wilaya ou bien de la ville qu'on a déjà visitée. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans une production écrite qui parle d'un voyage? Alors, je commence ma production avec le CCT, complément circonstanciel de temps. Alors, le complément circonstanciel de temps, on peut écrire une date, on peut dire hier, hier, avant-hier, la semaine passée, le mois passé, par exemple, jeudi 5 avril 2020, etc. Voilà. Alors, je parle de moi-même, je allais au passé composé. Alors, je suis allé, voilà. Le verbe aller, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, je suis allé, tout dépend de la personne qui parle. C'est la personne, elle est féminin, donc j'ajoute le E du féminin. C'est la personne qui parle, un garçon ou un homme, donc j'ajoute pas le E du féminin. Alors, je suis allé, alors le verbe aller au passé composé, à CCL. Je suis allée à où la place? À Alger, à Oran, à Tlemcen, à Ghardaya, en France, à Paris, au Maroc, etc. Alors, avec ma famille. Avec ma famille, ma ilati, avec mon ami, avec mes camarades, avec ma soeur, avec mon frère, avec mon papa, avec maman, etc. Point. Je commence toujours par majuscule après le point. Nous, le verbe visiter au passé composé. Alors, le verbe visiter se ne trouve pas avec la maison être. On ne trouve pas le verbe visiter avec la maison être. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, nous avons visité. Nous avons visité quoi? Alors, CCL. CCL2. Alors, nous avons visité l'endroit. Nous avons visité, par exemple, les grottes. Nous avons visité la mosquée. Nous avons visité les oasis, etc. Je, toujours, moi... J'ai mis apostrophe parce que le verbe voir, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Alors, je dis j'ai vu. J'ai vu. Alors, au passé composé, j'ai vu. Alors, j'ai vu quoi? L'endroit. J'ai vu de beaux paysages. J'ai vu, par exemple, de belles endroits, etc. Alors, je aussi, le verbe admirer, il se conjugue avec l'auxiliaire avoir. J'ai admiré, alors c'est un verbe du premier groupe, alors je mets E accent. J'ai admiré quoi? Les beaux paysages, par exemple. Ahbebtu, j'ai admiré les beaux paysages. Alors, c'est un lieu magnifique, exceptionnel, formidable, extraordinaire, etc. Donc, la dernière phrase, on dit que c'est un lieu magnifique, exceptionnel, formidable, extraordinaire, etc. Donc, là, il y a adna. Un point d'exclamation, donc ta'ajjub. Donc la fin de la production, quand on écrit, c'est un lieu magnifique, point d'exclamation, formidable, etc.
Voilà. Alors ici, j'ai mis un petit tableau. Dans ce tableau, on trouve quoi? On trouve le CCT, CCL1, CCL2 et les noms qu'on va utiliser dans cette production écrite. Voilà. Alors CCT, qu'est-ce qu'on a dans le CCT? On a l'été dernier, à Saifu Al-Madi, ou bien une date, par exemple, jeudi 25 avril, par exemple, ou le, par exemple, vendredi 5 mars, etc. La semaine passée. Parce qu'on va utiliser le passé composé, donc toujours au passé, je parle toujours au passé. Hier, hier, pendant les vacances d'hiver, pendant les vacances d'été, pendant les vacances du printemps, pendant les vacances d'automne, CCL1, on a ici Alger, Chriaa, Tipaza, Constantine et Rardeya. Alors, les endroits qui se trouvent dans l'Algérie, on a Alger, c'est la capitale. Chriaa, c'est une place là où il y a la neige durant l'année. Tipaza se trouve à Alger. Constantine, c'est une wilaya. Et Rardeya aussi, c'est une wilaya. Alors, CCL2, on a la Casbah. Où se trouve la Casbah? Se trouve à Alger. Le club du ski, alors on fait le ski à Chriaa parce qu'il y a la neige. Le musée de Sirta se trouve à Constantine. La Casbah de Rardeya se trouve à Rardeya. On a la Casbah d'Alger et la Casbah de Rardeya. Le nom qu'on va utiliser dans une production écrite, on a le monument, Al-Athar, les monuments. On a le port Al-Mina, on a les montagnes Al-Jibal, la neige Al-Thalj, le manège, le manège, et la mosquée, c'est Al-Masjid, les ponts, Al-Anfar, les oasis Al-Wahed, les dunes Al-Kutban, Al-Ramliya. Voilà. Alors, là, la production, je prends les mots que je vais utiliser dans la production. Qu'un des mots, par exemple, si je parle de Alger, Mendishma Alger, par exemple, la Casbah de Radeya. Non, la Casbah de Radeya, c'est avec Radeya. Alors, le musée de Sirta ne se trouve pas à Alger, se trouve à Constantine. Alors, Constantine, musée de Sirta. Alors, Chriaa, dans Chriaa, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le club du ski. On fait le ski avec quoi? Avec la neige. Voilà. Alors, chaque wilaya ou bien chaque endroit, il a son nom, il a son complément circonstanciel de lieu 2. Et la date, ici, le CCT, j'utilise ce que je veux, l'été dernier, une date, la semaine passée, hier, etc. Donc ici, vous avez le choix, c'est quand vous voulez. Vous choisissez la wilaya que vous avez déjà visitée, les endroits aussi que vous avez déjà visités dans cette wilaya et les noms qu'on va utiliser dans la production écrite. Voilà. Alors moi, j'ai choisi ici la wilaya de Biskra, se trouve au sud de l'Algérie, Fidjelou. Alors regardez Biskra. Alors, on a les palmiers, on a les montagnes, les dattes, on a un petit pont ici. Voilà. Donc, c'est une très belle wilaya qui se trouve au sud de l'Algérie. Donc, voilà ma production. On l'appelle Biskra, on l'appelle aussi la perle des Ibènes. Alors, Jawharatou Ziben, la perle des Ibènes. Alors, pendant les vacances du printemps, alors qu'est-ce que je mets ici? Le CCT. Alors, regardez, on va voir le modèle avec la production. Alors, regardez, CCT, pendant les vacances du printemps. Alors, voilà CCT. Alors, je suis allée. Alors, je suis allée à Biskra. Alors, je suis. Alors, je, le verbe aller au passé composé, à CCL, à Biskra. Alors, je suis allée à Biskra avec ma famille. Avec ma famille, voilà. Avec ma famille, avec mon ami, etc. Nous avons visité les oasis. Alors, nous, le verbe visiter au passé composé. Après, on a CCL. Alors, nous avons visité les oasis. Alors, les oasis, c'est le CCL. J'ai vu les palmiers. Alors, on met le verbe voir. J'ai vu au passé composé et le CCL. Alors, j'ai vu les palmiers, virgule, le dromadaire. Alors, point. Nous avons pris des photos. Nous avons pris, c'est le verbe prendre, conjugué au passé composé. Alors, j'utilise l'auxiliaire avoir. Nous avons pris des photos de ces beaux paysages.
Voilà. C'était vraiment un lieu exceptionnel. Kena, Mekanan, Ra'i'an, ou c'était vraiment un lieu exceptionnel. Ra'i', ou Jamil. Alors ici, on met un point d'exclamation. Alors c'était vraiment un lieu exceptionnel et un point d'exclamation. Voilà. On va lire une autre fois. Alors, la perle des ébènes. Pendant les vacances du printemps, c'était, je suis allée à Biskra. Alors, je suis allée, le verbe aller conjugué au passé composé, à Biskra, CCL, avec ma famille, avec mon ami, avec ma soeur, etc. Point, je commence par majuscule. Nous avons visité, alors le verbe visiter au passé composé, nous avons visité les oasis, CCL. J'ai vu les palmiers, alors le verbe voir au passé composé. J'ai vu quoi? Les palmiers, le dromadaire. Alors, point, nous avons pris, akhadna, des photos, iltaqatna souwaran, de ces beaux paysages, lihadihi almanadir aljamila. C'était vraiment un lieu exceptionnel. Alors, aujourd'hui, on a fait une production écrite sur un voyage. Le voyage, c'était à Biskra, la perle des ébènes. Alors, il faut toujours suivre ce modèle pour faire une production écrite pour un voyage. C'était le verbe aller au passé composé, CCL, avec qui je suis allée, nous avons visité quoi, CCL2, qu'est-ce que j'ai vu dans ce voyage, qu'est-ce que j'admirais dans ce voyage. À la fin, je mets une phrase avec un point d'exclamation, voilà, c'était un lieu magnifique, exceptionnel, formidable, extraordinaire, etc. Et je mets un point d'exclamation. Alors, merci et au revoir.